Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique 148. Et dans cette chronique, je vais m'efforcer de répondre à certains révisionnistes qui, plus par ignorance que par volonté profonde de mentir, avancent que le communisme et le nazisme sont la même chose, pour étayer finalement au fond leur nouvelle doxa. Alors, que les choses soient claires, nombre d'individus ont été dans des camps de concentration, ont payé le lourd tribut par la mort, de leur idée, de leur croyance dans le marxisme et dans le socialisme, voire dans le communisme. Beaucoup de juifs furent communistes et marxistes, et ont effectivement fini dans les camps de concentration. Alors, dû égard à la mémoire de ces gens en qui j'ai un profond respect, je ne me permettrai pas de faire cet amalgame, ce qui est honteux et même indécent. Alors, je peux comprendre que parfois, porté par une vague d'anticommunisme primaire, il est bon ton maintenant, et dans certains milieux d'affaires, des milieux qui n'ont pas conscience des dommages de ce qu'ils sont en train de faire au nom de leurs appétits personnels, d'amalgamer le nazisme au communisme. Bon, encore une fois, il ne faut pas s'y tromper. Ceux qui entretiennent des amalgames sont souvent très proches, je dirais, d'une certaine forme de réhabilitation de ces idéologies. Ceux qui ont un peu, je dirais, de savoir ne font pas, je dirais, d'amalgame. Alors, effectivement, il faut recadrer et remettre les choses dans le contexte et, bien entendu, parler, parce que c'est là où le conflit demeure, sur l'amalgame qui peut être fait entre Hitler et Staline. Alors, quand on refuse l'amalgame, on se voit parfois traité de révisionnisme, ou même de négationniste, bien que je n'aime pas ce mot-là. Alors, sur un point qu'il faut tout d'abord affirmer clairement, et je veux dire même nettement, que les accusations proférées contre Staline, l'URSS ou le socialisme à cette époque-là, et plus particulièrement le mouvement communiste d'avant 1989, ben, ces thèses ne sont pas historiquement valides. Alors, quelle que soit leur redondance scolaire et médiatique, il s'agit d'accusations polémiques, voire même de témoignages littéraires avancés sans preuve, et qui, dans la plupart des cas, n'ont pas été corroborés, je dirais, par une recherche indépendante, profonde, et ni par le recours direct aux archives depuis la chute du socialisme est-européen. Le cas, par exemple, de l'historiographie occidentale sur l'URSS est lourd de partialité, voire même de mensonges. Truffé, je dirais, de chercheurs ad hoc qui ont fait leur classe dans les services secrets, elle émane, je dirais, principalement de fondations et d'universités privées, richement dotées par le grand capital américain et européen, dans le but d'instruire un procès à charge, et qui ont, je dirais, petit à petit, investi les lieux du pouvoir intellectuel. À commencer par, je dirais, des prestigieuses universités américaines, et ces informateurs sont exclusivement des adversaires, je dirais, virulents du socialisme, voire du communisme. On pourrait même dire des transfuges qu'ils contrôlent complètement. Alors la méthode de ce type d'historiographie partisane est magnifiquement résumée par Hannah Arendt, pour qui l'absence de preuves des crimes staliniens est un crime de plus. Et elle prouve qu'elles ont été supprimées. Et Hannah Arendt ne peut pas être, je dirais, taxée, effectivement, de communiste. Alors,
Tout comme la religion a ses interprétations, l'interprétation historique des expériences socialistes est en effet un axe stratégique du combat d'idées de la guerre froide. On est en train de ressortir aujourd'hui au goût du jour, je dirais, une façon de penser qui est issue de la guerre froide. Alors, bien davantage encore que durant deux guerres mondiales, alors qu'il s'agissait auparavant simplement de conforter le moral des combattants en diabolisant l'adversaire et en donnant la confiance en la victoire. Pendant la guerre froide, la lutte de propagande est devenue essentielle, parce que l'enjeu de la guerre n'est ni plus ni moins l'extension du système socialiste d'un côté et du système capitaliste de l'autre côté, dans ce monde qui était coupé en deux. Parce que l'opinion publique est devenue le terrain même de la décision, considérant l'impossibilité d'arracher une décision militaire par la bataille finale à cause de l'existence de l'arme nucléaire. Un autre fond, je dirais, de la littérature pseudo-historique, qu'on pourrait qualifier d'historiéticien, dont le but est de calomnier le socialisme, provient des luttes de factions internes au groupe dirigeant soviétique et de la propagande, voire même des plaidoyers en justification de Trotsky et de ses nombreux, je dirais, partisans de droite et de gauche d'avant-guerre. Une partie de ces partisans sont passés à l'économie de marché et sont devenus aujourd'hui des faucons du néolibéralisme. Bon, cela est encore une autre histoire. Puis, bien effectivement, des efforts de ce qu'on appelle la déstalinisation, c'est-à-dire déstalinisateur, aux intentions suspectes d'après-guerre, dont je vous invite à lire le chef-d'œuvre qui est le rapport secret, cynique et affabulateur de Nikita Khrouchtchev. Dans cet ouvrage qui a été édité, donc Khrouchtchev a menti, fait par un universitaire américain, Gouverneur Fur. C'est un pavé important. Alors, il ne faut pas oublier que Nikita Khrouchtchev est aussi l'inspirateur et protecteur des intellectuels officiels, puis dissidents, qui ont été lancés par cette tendance dans la période dite forte inadéquatement, je veux dire, soyons logiques, le fameux dégel. Dénomination, bien sûr, dérobée au grand roman d'Ehrenburg. Alors, la diabolisation de Staline est alors destinée à justifier un repli de la théorie soviétique vers un humanisme vague, pas très clair, et qui légitimera à son tour la transition agressive au capitalisme. Sous le camouflage, je dirais, de l'idéologie des droits de l'homme, version 1789 et non 1948, en ayant pris le courant voltairien et non pas le courant rousseauiste, pour le mettre en avant, ils n'ont pas déstalinisé parce que Staline aurait été inhumain, mais ils l'ont fait pour inhumain, pour pouvoir déstaliniser, pardon, c'est-à-dire interrompre définitivement un processus révolutionnaire déjà largement enrayé par ces effets, je dirais, effroyables de la guerre 41-45 sur la société soviétique. Alors, d'autre part, je voudrais préciser qu'il n'y a aucune équivalence, même superficielle, entre les répressions nazi-fascistes, colonialistes, puisqu'effectivement il était question de coloniser les nouvelles terres de l'Est pour le peuple pur, qui sont revendiquées par leurs auteurs comme une composante centrale de leur projet société inégalitaire, voire hiérarchisée. Même s'il peut l'être tactiquement, je dirais, utilisé de nier certains crimes au moment où ils les ont commis, où ils sont commis, je dirais même ailleurs, et la terreur révolutionnaire, qu'elle soit exercée par des communistes staliniens ou par d'autres, il en demeure pas moins, qui est une mesure nécessaire à la survie de la révolution d'époque prolétarienne, mais regrettable dans un espace temporaire. Alors en 36, les ouvriers anarchistes espagnols, placés devant la nécessité du eux ou nous, n'ont pas été plus modérés que les bolcheviks. Et on peut, je dirais, à la lumière, effectivement, de l'étude sur la guerre d'Espagne, voir que ce fut une boucherie. Alors, on accuse Staline, et à travers lui, les communistes et les révolutionnaires de tous les temps, de paranoïa. À contresens, les paranoïaques sont les nazis qui exterminent les juifs parce qu'ils croient simultanément qu'ils sont des sous-hommes, qu'ils dominent le monde,
propage le communisme, le marxisme. Je vous envoie aux études de Hervé Ryssen, assimilant tout le communisme et tout le marxisme comme étant un produit, je dirais, messianique juif, ce qui est un véritable délire. Mais enfin bon, là n'est pas le problème. Cela va encore plus loin, puisque ils sont accusés de dominer le monde, de propager le communisme, et de l'autre côté, de diriger le capitalisme, de gouverner les États-Unis. Alors, bien entendu, il faut revenir à la raison, et non, je dirais, les staliniens qui pourchassent et qui répriment les groupes factieux, effectivement agissant parce que démoralisent les masses, qu'ils minent la cause du socialisme, et la trahissent effectivement par corruption, par faiblesse, ou au moment du plus grand danger. L'histoire contre-révolutionnaire fait l'innocente, mais elle ne peut pas faire passer l'année 1937, l'année des grandes purges, comme elle dit, pour une année aussi ordinaire que, par exemple, l'année 68. La plupart des victimes de la terreur révolutionnaire auraient été classées par un observateur objectif à l'extrême droite, par ses idées et ses actions. À commencer par ce génissime, dont il suffit de lire ses écrits pour se rendre compte de ses positions. Mais souvent en avant l'archipel du Goulag, mais on ne parle pas de son dernier ouvrage, sur la Russie et les Juifs, où il prend position ouvertement sur une certaine forme d'antisémitisme. Bien entendu, cela n'est pas intéressant pour certains de nos penseurs. Ensuite, je voudrais dire également que une fonction, je dirais même une des fonctions essentielles des camps d'internement soviétiques après 1945, quant à leur effectif, se sont accrues jusqu'à atteindre 2 millions et a été réprimée, je dirais, les collaborateurs de l'hitlérisme. N'oublions pas qu'il y a eu, à un moment donné, également une armée russe, réintroduisant le drapeau actuel, se faisant, je dirais, complice. Je ferai un audio là-dessus. Ce qu'on a appelé une cinquième colonne, engagée aux côtés des forces, je dirais, fameuse division SS sur le front de l'Est, intégrant les autres, la division bleue, la division Charlemagne et d'autres divisions étrangères. Maintenant, il a bien fallu mettre quelque part les assassins de base d'Auschwitz, de Majdanek et d'autres sinistres camps de concentration, puisqu'il n'était pas question de les tuer tous. Alors, les témoignages littéraires trop nombreux invoqués à l'appui de la dédiabolisation, ou de la, plus exactement de la diabolisation de l'URSS, qui supplée le manque de sources historiques, ne montrent que d'innocentes victimes, de mesures arbitraires qui ne comprennent absolument pas la raison de ce qui leur arrive. C'est une bonne guerre. S'il est exact qu'il y ait eu, dans la panique de 1937, de nombreux abus et erreurs et environ 25% de condamnations politiques de 1937 à 1938, qui furent annulées ou allégées par des autorités soviétiques elles-mêmes dès 1939, dont celle de Rokossky, général de l'armée rouge et futur dirigeant de la Pologne socialiste d'après-guerre. Il n'en demeure pas moins, ou il n'en reste pas moins, que la majorité des condamnés à mort ou à la déportation étaient bel et bien, je dirais, composé d'opposants actifs dans la situation historique préparatoire à la guerre mondiale, où il n'y avait pas d'espace pour l'opposition. Bon nombre aussi des agents douteux de cette répression étaient condamnés pour ces abus de pouvoir. Pouvoir, quand je définis pouvoir, pouvoir tyrannique, dénonciation calomnieuse, y compris Yagoda, Iejov, deux chefs successifs du ministère de l'Intérieur. Alors, quant aux propagandistes occidentaux, j'ai à commencer par je vais faire grincer les dents, mais il faut aussi
donner l'information, mais à commencer par le pamphlétaire surestimé George Orwell, tentèrent de mettre en avant une gigantesque théorie du complot selon laquelle le pouvoir soviétique aurait organisé lui-même la subversion à son encontre. En 1937, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes à résoudre pour avoir à s'en inventer, je dirais même qu'il est caractéristique que les arguments utilisés par les accusateurs du socialisme seraient tournés en ridicule par les gens de bon sens s'ils étaient employés au bénéfice de n'importe quelle cause. Alors le grand récit anticommuniste procède par son invention pure et simple, de dénaturation des faits, affirmation sans preuve, procès d'intention, décontextualisation, exagération, tout cela, bien entendu, répété dans une doxa permanente, afin que ça puisse rentrer, notamment l'ignorance de la plupart des bilans. Finalement, au fond, on pourrait qualifier ça comme un pur exercice de style pour apprenti propagandiste. Alors, il n'y a que comparé, par exemple, avec le récit implacablement documenté des crimes nazis, pour voir la différence. Elle s'explique fort bien, les accusateurs du nazisme, comme Primo Levi, n'ont pas d'agenda caché. Je vous invite à lire Primo Levi, hein, qui est un homme d'une très très grande qualité. Il ne reproche, je dirais, ni plus ni moins de ce qui l'a fait, négligeant à tort ou à raison d'examiner les causes politiques de son action criminelle. Alors, le dossier est établi scrupuleusement après la défaite sans appel du mouvement hitlérien. Quand il ne représente pas non plus aucun danger, mais au moment où les deux camps restés en présence, qui se disputent l'hégémonie de l'Allemagne, auraient tout intérêt à emménager les survivants. Et c'est d'ailleurs celui qui l'a fait, qui a gagné la guerre froide. Et il a gagné la guerre froide parce qu'il l'a fait. D'où la lenteur de la prise de conscience de leur gravité, Occident en dehors du champ des consciences politisées, bien entendu. Alors les accusateurs du socialisme, de leur côté, se moquent bien de ces crimes qu'ils lui imputent. Ils ne lui reprochent en réalité qu'une seule chose, d'exister, et donc de proposer une alternative, même insuffisante, au capitalisme. Les communistes, par exemple staliniens, et eux seuls, représentent un danger permanent pour la société de classe, qui est la seule société humaine et civilisée aux yeux des bénéficiaires et des intellectuels qui sont rémunérés pour la défendre. On ne doit donc pas se laisser impressionner par leurs arguments ni par leur ton hystérique. La nécessaire, je dirais, critique du socialisme ne peut pas reproduire les méthodes et les arguments de ses ennemis, ni prendre pour agent, je dirais pour argent comptant, les faits tels qu'ils sont établis par ses ennemis. Alors, bien entendu, je dois bien préciser que même si, aussi étrange que ça puisse paraître, cette comparaison entre, je dirais, le parti nazi, qui est un parti à l'idéologie raciste, classement des races, hiérarchisation, avec tout en haut au sommet la race aryenne, avec une place importante pour l'antisémitisme, c'est un parti clairement anticommuniste, puisque les communistes ont fait les frais, effectivement, au même titre que les juifs, que les tziganes, que les chômeurs, ceux qui sont constitués de la ligne de la société, y compris même certains religieux, et dont, effectivement, les militants sont déportés, et les ouvrages sont brûlés et interdits. Je voudrais rappeler que tous les ouvrages communistes et marxistes ont été brûlés. Donc, alors, malgré un discours presque révolutionnaire et surtout anti-bourgeois, le rapport à la propriété n'est pas tellement bouleversé sur le nazisme. Et même à l'inverse, la politique économique nazie favorise le patronat allemand, qui se traduit par un renforcement des grands groupes privés qui ont pris part active dans le pillage et l'exploitation des territoires occupés. Alors, ça, vous voyez, au niveau de la structure, si on essaye de retirer l'hystérie émotionnelle, on s'aperçoit que finalement, le parti nazi n'est pas très éloigné dans sa gestion, je dis bien économique, hein, que le capitalisme, finalement, au fond. Alors, effectivement, après la Première Guerre mondiale, la crise économique amène Mussolini, par exemple, au pouvoir en 1919, et ce, malgré une présence communiste non négligeable.
Puis la crise de 1929 amène Hitler au pouvoir en 1933. N'oublions pas qu'un des grands penseurs du communisme, Antonio Gramsci, dont ses écrits de prison restent encore aujourd'hui à la postérité, a été victime du fascisme de Mussolini. Alors, comme en Italie, cette crise économique débouche sur une crise politique avec la montée des communistes d'un côté et celle de l'extrême droite nazie de l'autre. Alors pourquoi je parle d'extrême droite nazie? Parce qu'il y a une réintroduction de ce que le socialisme et le communisme nient absolument, c'est la réintroduction de la racialité et de faire de l'histoire des peuples une histoire d'empirisme organisateur agressif à l'égard des autres. C'est ce qui qualifie cette idéologie de droite. Même si elle emprunte, je dirais, une dialectique, seulement une dialectique, je dirais, socialiste, pour mieux en séduire les masses. Alors avec cette poussée communiste qui explique le cas de l'Italie et de l'Allemagne, l'appui des grands patrons industriels, des grands propriétaires terriens envers le parti de Mussolini et d'Hitler, qui les finance pour briser, bref, les grèves et les émeutes paysannes. Alors, en Italie et en Allemagne, cela se passe de la même manière, à la fois dans l'égalité, c'est-à-dire dans la légalité, car ce sont des partis reconnus et qui participent aux élections, et également dans la violence et la terreur, face aux communistes et aux syndicalistes. D'ailleurs, ces violences ne rencontrent pas d'opposition de la part des gouvernements en place. Certains y voient même d'un bon œil ces partis anticommunistes. Alors, en Russie, le pouvoir est pris par la force, certes, et la révolution d'octobre qui renverse le pouvoir en place, l'objectif de base du parti bolchevique puis du parti communiste en 1918 est de réaliser une société sans classe, d'après les théories de Karl Marx. Mais après des débuts encourageants et prometteurs, lorsque Staline arrive au pouvoir en 1928, le modèle socialiste est encore incomplet. Ensuite, victime à la fois d'une excroissance bureaucratique, d'une dérive liée au culte de la personnalité, je le déplore, et effectivement des dissensions au sein du Parti communiste soviétique, du PCUS, et de la mise en place d'une nouvelle forme, je dirais, de conception de l'État. Et finalement, au fond, certains puristes pourraient, peut-être à juste titre, considérer que ce système s'éloigne de plus en plus de la doctrine marxiste. Alors après, c'est une question de conception, de discussion. Je vous renvoie à des livres importants et des chercheurs comme Alec Knob qui ont su effectivement faire de la dichotomie et disséquer un petit peu le bien de l'ivraie. Alors, en 1935, Emma Goldman, par exemple, de retour aux États-Unis, déclarait que le communisme avait eu un essai en Union soviétique, mais qui finalement, au fond, avait cette particularité russe ou slave qui lui donnait finalement un élément pas très internationaliste. Bon. Et n'oublions pas que Karl Marx avait prédit l'échec d'une révolution en Russie, car selon lui, la société était encore au stade d'un régime féodal, elle n'était absolument pas prête. Toujours selon lui, les pays les plus aptes à mettre en place ces théories étaient la France, l'Allemagne, car en Angleterre, le peuple avait été, suivant ses dires, définitivement domestiqué. Alors, il faut quand même rappeler que le régime soviétique, c'est à mettre sa propre, je dirais, sa propre gouverne, que dès les premiers jours, faire face à l'hostilité de toutes les puissances capitalistes qui ont financé à coups de milliards de dollars des sabotages, des partis d'opposition, des radios qui émettaient depuis l'étranger, surtout le territoire soviétique, qui ont fomenté des troubles et même des révoltes armées dès le début de la révolution. Et ceci, effectivement, peut être, je dirais, un cas d'espèce, une autre histoire. Maintenant, je voudrais bien préciser que il y a un ouvrage intéressant qui a été fait par, n'ayons pas peur de le dire, par une chercheuse qui s'appelle Annette Viviorka, qui est chercheuse au CNRS, qui a fait un livre, « Ils étaient juifs, résistants, communistes ». Je vous invite à lire cet ouvrage, qui a été réactualisé encore ces derniers temps, parce que les recherches
évolue. Et je dirais, cette réédition permet notamment d'inclure les dernières recherches de l'historienne dans les archives de la Seconde Guerre mondiale, qui se sont, je dirais, depuis 2017, librement accessibles au public. Notamment tout ce qui concerne les affaires de police, et ces dernières sont des sources inestimables pour faire l'histoire de la résistance, car on y trouve les procès-verbaux, les filatures, mais aussi des interrogatoires de suspects. Alors, bien entendu, dans cet ouvrage, Annette, il faut lui reconnaître ce travail de grande qualité, Biviorka, met en avant pourquoi beaucoup de juifs furent marxistes, communistes. Pourquoi cette croyance leur a permis de se structurer. Même l'agence juive, lors de sa création, était le fait de beaucoup de juifs ayant fui des camps et devenant officiers dans l'armée rouge. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées. Quand certains font des travers un petit peu pratiques en assimilant le communisme au nazisme. Ne serait-ce que pour ces gens qui ne peuvent pas l'admettre. Ensuite, n'oublions pas la libération des camps. Et puis, je vous ai mis, pour que vous puissiez comprendre un petit peu quels sont les éléments d'identification dans les camps de concentration, sur les fameuses étoiles jaunes et sur les triangles de différentes couleurs, pour que vous compreniez qu'effectivement, il y avait à la fois des prisonniers politiques marxistes, des témoins de Jéhovah, des immigrés, des prisonniers de droit commun, des asociaux, des homosexuels, des juifs, donc ceux-là, c'était des pratiquants, des prisonniers politiques juifs marxistes, des émigrés juifs, des prisonniers de droit commun juifs, des asociaux juifs. Donc, vous voyez que ceux qui font des travers pour essayer de gommer l'histoire et de commettre des injustices à l'égard de ceux qui ont combattu, au nom justement de cette belle idée, je trouve que c'est extrêmement dangereux, parce que c'est une autre forme de révisionnisme. Et n'oublions pas que tous ces gens ont été effectivement, ont su organiser parfois la résistance dans des camps de concentration et d'extermination, de 1940 à 1945. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Il peut y avoir eu des erreurs de Staline, mais Staline n'a absolument rien à voir avec énormément de marxistes, de communistes qui ont été dans les camps et qui ont combattu, je dirais, le monstre nazi. Alors, il faut que les choses soient claires, qu'elles soient dites une fois pour toutes. On ne peut pas assimiler le socialisme, qui était humaniste, de conception égalitaire, finalement, volonté de vouloir intégrer le monde et de donner sur la planète à tout le monde les mêmes droits, même si c'est une utopie, je le reconnais, à un régime purement spéculatif, intéressé par des milieux d'affaires, parce qu'ils savaient que si le communisme ou le socialisme passait, puisqu'ils en ont eu l'exemple avec Kurt Liebknecht et Rosa Luxembourg, alors ça aussi, je voudrais bien que les choses soient claires, Rosa Luxembourg était juive polonaise, qui était une grande dame qui avait su, qui était professeure et doctorante en économie. Et Karl Liebknecht était juif aussi. Alors ces gens-là ont été assassinés, et cela, leur pensée, leur idéologie est assimilable au nazisme. Bon, soyons sérieux. Je ne vais pas aller plus loin, mais je pense qu'il faut à un moment donné arrêter les idées valises pour justifier une doxa quelconque. Je trouve que cela est dangereux. Quand on en arrive à mentir sur l'histoire pour justifier sa propre conception du monde, à la lumière de ses intérêts pécuniers et ses propres appétits, cela est très dangereux.
Cela est très dangereux parce que le monde, si bien des religieux que des patriotes, que des communistes, se sont fédérés contre cette conception que fut le Troisième Reich. Alors, pour finir mon audio, je tiens à dédier mon hommage humble à l'égard de tous ceux qui ont souffert dans les camps de concentration. Et je pense que la pire des choses, c'est de nier, d'un côté, pour ces ultra-capitalistes, ultra-libéraux, qu'il y ait effectivement des communistes, c'est les tuer une deuxième fois dans les camps et qui ont combattu le nazisme, comme de nier qu'il y ait eu un génocide juif dans les camps de concentration, et c'est les tuer une seconde fois. Et le plus souvent, nous trouvions effectivement une croyance qui était commune. Beaucoup de juifs furent communistes. Donc, je tiens à, avec mes humbles moyens, réhabiliter une certaine vérité que d'autres, au nom de leurs appétits, de leurs intérêts personnels, sont en train de mettre en place. Voilà, je vous remercie. Ça a été un peu bancal parce que je l'ai fait rapidement. Mais je vous dis à la prochaine chronique. Merci et à plus tard.